the break of day, I'll be going. Je suis quelqu'un de timide à la base. Je n'étais pas du tout fait pour être musicien, pour être sur scène. J'étais assez effrayé à l'idée de jouer devant les gens. Donc l'harmonica, c'est quelque chose que je faisais dans ma chambre, à l'abri des regards. Et la première fois, quand je suis monté sur scène, j'ai compris ce que c'était d'être devant les gens, de jouer devant les gens. Et c'était une expérience incroyable. Et depuis, j'aime tellement ça que voilà, j'ai dépassé toutes mes peurs et j'adore ça. Vous êtes même un sacré homme de scène parce qu'on vous a vu depuis plusieurs années aux côtés de Johnny Hallyday sur scène. D'ailleurs, Johnny vous met très en avant pendant ses concerts. Oui, c'était une expérience incroyable avec Johnny. Bah, déjà parce que c'est les tournées qu'il fait, c'est des tournées gigantesques. C'est vrai que les artistes de l'envergure de Johnny n'ont pas besoin d'un harmoniciste. En général, ça n'existe pas. Et je me souviens de la première répétition avec Johnny. Et on préparait le morceau Gabriel. Et il était question de faire un solo de guitare. Et Johnny a dit, non mais on va essayer l'harmonica, vas-y Greg, joue. Et donc j'ai joué, il m'a dit « ok, c'est bien ». Et il m'a dit « mais tu vas pas jouer planté comme un piqué comme ça, sur scène ». Et moi j'ai dit « ok Johnny, je vais faire le show, tu vas voir ». Alors vous conservez votre carrière en parallèle, parce que vous avez sorti plusieurs albums sous votre nom. D'ailleurs vous essayez des choses, j'ai l'impression que vous essayez de mettre l'harmonica, de sortir l'harmonica du blues et des registres qu'on lui connaît, c'est parfois compliqué, ça ? Pour moi, il n'y a pas de limite pour l'harmonica. C'est-à-dire ma croisade, en quelque sorte, c'est de montrer qu'on peut tout faire à l'harmonica. Et donc, c'est vrai que j'aime beaucoup placer l'harmonica dans des contextes où on le voit rarement. Donc, par exemple, avec Vladimir Kosma de l'Orchestre Symphonique, où je suis un soliste au sein d'un orchestre symphonique, ce qui est exceptionnel. Ou à l'autre opposé, justement, on parlait de Johnny, où c'est complètement rock, c'est très différent. Et dans tous les contextes, l'harmonica trouve sa place. C'est très proche de l'expression vocale, en fait. Et donc, il n'y a pas de raison, on peut chanter tout, on peut jouer tout à l'harmonica. Alors justement, j'allais y venir, vous avez des chansons en anglais, mais aussi en polonais, qui est votre langue natale. Oui. Et vous allez vous mettre à l'écriture en français? Un des premiers morceaux que j'ai fait, c'était justement un morceau en polonais, qui s'appelle Niech popłyną łzy. Et c'est un morceau qui me suit. Pierści nie pomoże nic. Zrywanie więzi nie pomoże. Niech popłyną łzy. C'était pour moi important de chanter dans ma langue natale. Et de montrer aussi que le blues, ça ne se limite pas à l'anglais. Et ensuite, c'est vrai que c'est très difficile de passer de l'anglais en français, parce que la mélodie de la langue n'est pas la même, c'est pas la même contrainte. Et surtout, ce qui est incroyable dans la langue française, c'est que le public en France écoute les paroles. C'est très très fort. Et c'est ça qui me donne vraiment très très envie. J'ai envie de, quand je chante, j'ai envie de parler aux gens. Et donc c'est pour ça que là, j'ai pas d'autre choix. Il faut, voilà, mon prochain album sera en français. Je crois aussi que vous donnez des cours d'harmonica, c'est ça ? Oui, alors j'adore ça, j'adore la pédagogie. J'ai monté une école à Paris, mais il y a des années. La transmission, c'est quelque chose que j'adore. Et en plus, à l'harmonica, c'est très gratifiant parce que c'est un instrument qui est très facile. D'abord, en fait, il suffit de respirer. En fait, c'est fait pour jouer sans savoir jouer. Il suffit de...
d'aspirer, de souffler. On a les sons qui sortent, ce sont des sons harmonieux. Et ensuite, amener les gens en fait, à aller plus loin, à découvrir qu'ils peuvent être musiciens, c'est vraiment génial. Et beaucoup de gens en fait, qui prennent des cours d'harmonica, c'est des gens qui ne s'imaginent pas être musicien en fait. Alors vous avez en permanence votre petite mallette, puisque l'harmonica diatonique dont vous jouez, c'est un instrument par tonalité, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc voilà, donc on peut se promener avec un harmonica dans la poche, mais effectivement si je fais un concert, je vais en utiliser plusieurs. Donc je me balade avec une quarantaine d'harmonicas dans les concerts. C'est assez étonnant. Merci beaucoup Greg. Merci de votre visite. À bientôt.